Bonjour et bienvenue sur Yata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de Tesla vs Lovecraft sur la Yata TV. On est toujours sur Nintendo Switch, vous êtes en présence du Toy Tech et c'est parti. Du coup, comme la dernière fois, j'ai toujours pas avancé, j'avance avec vous au fur et à mesure dans l'histoire de Tesla et on y va, c'est parti. Est-ce que je vais me ratamer cette fois-ci? Je ne sais pas, on va voir ensemble. Allez, c'est parti pour l'épisode 5. J'espère que ça va être un peu mieux. L'épisode 4 était déjà très très fort, très intense. Alors ça, les têtes de mort, c'est archi chiant. Sont améliorés, tir rapide, réflexe amélioré. Ah non, non, non. Bon, une autre arme. Donc là on se sert de tout. Ah là, les têtes de mort, c'est vraiment la merde. J'aime pas du tout. Faut vraiment faire gaffe. Alors, qu'est-ce que on va prendre radioactif. Le système radioactif, c'est vraiment nickel. Oh, j'adore vraiment la bande son. Elle met du fun dans la partie là. Oh là. Ah non, j'aime bien cette arme là. Vider le chargeur dessus. Bugs qui font mal, nickel. Que je vais réussir à avoir le mecha, je sais pas. Ah oh, non non non, ça a pas dû aller là. Cette arme là elle est vraiment puissante, je pense qu'avec des bons un bon combo là tu peux. Et voilà. Un power up qui vient d'arriver. Ah, les ricochets. Nickel. Donc là, on peut apprécier la beauté du jeu, là. L'avantage du ricochet, c'est que je peux envoyer partout, il se passe rien. Heureusement qu'il y a des petits power-ups comme ça là. Ah bah le niveau est terminé, voilà, nickel. Impeccable. Ça fait vraiment plaisir de commencer comme ça la partie. Allez, on continue. On va voir ce que ça donne.
Évidemment, quand t'arrives, tu connais toujours pas l'environnement. Voilà, on attaque directement avec du lourd. Ah non, là, c'est pas drôle, par contre. Ah non, non, c'est pas drôle. Ah, j'en fais pas mal, là. Dévorer, j'ai toujours pas de bonne arme. Ah, c'est déjà un peu mieux là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va prendre le tir rapide là. Et vu la dose ennemie qu'il y a. On y va. Ouais, c'est chaud, hein. Boost de vitesse, réflexe amélioré. Hop. Là, il faudrait beaucoup plus. Vous voyez pas le nombre de balles que je suis envoyé. Double XP, nickel. Oula, polypension. C'est quoi ça, polypension? Par contre là je prends cher. Ah ouais. Oh là, ça devient vraiment chaud, patate. Allez, tir rapide. Ah, par contre, à chaque fois, j'y ai le droit. Faut que je fasse vraiment attention, là. D'éliminer tout ça avant de s'attaquer au poly. Est-ce que c'est la bonne technique? J'en sais rien, mais attention, esquive. On s'explose. Oh, je vais crever là. J'ai pas de boost là. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est à prendre. Ça en prend, nickel. A été éliminé, impeccable.
Bon, niveau terminé, impeccable. On a réussi, c'est nickel. Ça fait vraiment plaisir. Et on a pris 5 cristals d'éther. C'est toujours bon à prendre. Ok, allez, on y go. Donc vous avez vu, hein, la difficulté, elle est vraiment croissante du début jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant. Il y a pas, on se repose pas, on n'a pas le temps de se reposer. Ouais, non. Non, 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 non. Merde. Je vais prendre un traquenard là. J'ai mal commencé la game, je sens bien. Qu'est-ce que je peux avoir là? Boost de vitesse, projectile affûté. Ah ouais, mais non. Ça devient déjà compliqué là. Des petits bonus là. Alors, radioactif, ça peut être intéressant. Hop, bah. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la technique que j'utilise, si j'utilise les petits bonus correctement. C'est toujours bon à prendre. Niveau 7, ouais, un tir rapide. Oula. Personne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y'a personne? Fini de bonheur pour celui-là, niveau terminé impeccable. Donc fini de bonheur, je pensais que ça allait s'éterniser par rapport au fait que je rencontrais pas plus de monstres que ça. Compétence débloquée, éclair qui explose lors de l'impact. Impeccable. Encore une compétence de débloquer. Donc invention. Permettre de détecter les cristaux d'éther. Allez, pour l'instant j'en ai pas. Alliage de graphène. Ok. Plus gros calibre, ouais, pour l'instant on en a que 20. C'est pas grave, on continue, on va y arriver.
C'est un peu comme l'épisode 4, ça va, on va assez vite. C'est super plaisant. Je vais me faire défoncer là. Si j'ai pas mieux. Téléportation. Ah, les ricochets, les fameux ricochets que j'aime bien. Pas de balles perdues. Merde, ah ça c'est pas le bon. Ah ah, j'ai mis un truc là mais c'est pas bon. Santé améliorée, ouais, je vais prendre ça. Wouah, il y a que des gros là. Voilà, mais qu'après, impeccable, c'est ce que je voulais, maintenant je peux aller dans le tas. Je sais pas où ils sont. Ah, c'est pas drôle là. Ah non, j'y étais là. Ouah du lourd, là ça pétarde de partout, multifrag, le mode Mario. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Les traits spéciaux, ah, ça j'adore. Ouais, 9, ah, ça c'est bon ça. Allez, on va changer un peu de couleur, ça va faire du bien. En tout cas, il fait mal. Hein. Enfin, moi je trouve personnellement. Ouais. Coup de mecha, on interdit le nettoyage. On l'a assez facilement là dans ce niveau le mecha. C'est impeccable. J'aime beaucoup le mecha. Double XP on le prend. Nickel. Et encore une chance supplémentaire. Voilà. Change un peu de pétard là. C'est bien, ça pète de partout là, c'est nickel. C'est, ça bouge beaucoup.
Voilà, regardez-moi ces couleurs, c'est de toute beauté. À des jeux comme ça, on n'en voit pas tout le temps. Hein. Aussi prenant et tout. Là, c'est un niveau que je maîtrise parfaitement. Mais qui après, ok. Avec les rebonds et tout, c'est nickel. On va reprendre un peu de santé là. Ah, non, je peux pas. La santé. Niveau terminé, impeccable. C'est ce que je vous disais, le niveau était maîtrisé donc. Adversaire qui repousse les ennemis lorsque vous subissez des dégâts. C'est bon ça? Permet à Tesla de se téléporter. Pour l'instant, je peux pas. Voilà. Allez, on continue. Autant en profiter pendant qu'on y arrive. Oula. Merde. Ah. Bon, c'est pas terrible ça. Je voulais autre chose, tant pis. J'ai perdu David pour rien là, ça me saoule. Comme je la connais pas la map, je le cherche un peu. Là vous avez dû voir pendant le game. Alors, projectile à fuiter. J'aimerais bien retrouver un peu de vie. Là, je vais mourir. Hop. Il ne faut pas l'avoir donné de la vie là. Ouais, voilà ce que je disais. J'ai un peu merdé au début de game. Du coup, je le paye direct. C'est un peu dommage. Bon, maintenant je connais un peu mieux la map. Il y a tellement de monde, faut faire super attention.
plus de balles pour pouvoir y arriver. Ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Le bouclier n'est pas de refus. Hein. Là, on va prendre le tir rapide. Ah putain. Ah, les trucs pros, c'est vraiment, vraiment la merde. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire un boost de vitesse et portation rapide, allez hop. J'aurais bien aimé un tir plus rapide. Niveau terminé, impeccable. Bon, c'est un peu laborieux, surtout au début. Utiliser quelques bonus, mais bon, c'est pour le bien du jeu. On continue. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Voilà. Tout ce qu'il faut pas. Direct. Allez, tête de mort là. Et ça reste pas mal de temps. Tout ce que j'aime pour. Ça m'arrange pas, mais vraiment pas, surtout avec cette arme là. C'est déjà un peu mieux là. Je remonte. Bon. La map est déjà finie? Non. Ah, j'ai eu peur. Attends là, c'est bon. Ah, c'est un niveau maîtrisé ça. Ça, je peux vous le dire.
Quand tu joues comme ça là. Oh là là, mais regardez-moi, c'est de toute beauté. Bon, ça pète de partout, nickel. En plus avec le bullet time, ça va être encore mieux. Allez, pour le fun. C'est vraiment pour le fun. Le truc à rebond, hein, y a pas à dire. C'est vraiment excellent. Je le dis depuis le début, mais... Oh non, 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 non. Ça j'étais bien de côté, là. Ah, c'est de l'anti-jeu, là. Ce que j'étais en train de gagner m'a mis une arme pourrie. Bon, ça va pas changer grand-chose pour moi. On prend de l'expérience. Bon, voilà, ça soit si bien. Et voilà, niveau terminé. On sentait déjà que le niveau était maîtrisé, comme je vous disais, puisque du coup j'avais les bonnes armes au bon moment, j'ai eu les bons bonus, donc du coup ça est resté assez fluide rapidement. Enfin, c'est resté. Ça a été fluide directement rapidement. Voilà, je vais y arriver, hein, je sais pas parler. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là? Bah ouais, me direct, je me suis mis dans un coin, je me suis fait crever. Compliqué là, très très compliqué de gérer, surtout au début, pas d'armes, rien. Ah ouais, des cul-de-sac partout. Et quand les bonus arrivent, chambre supplémentaire, génération, chambre supplémentaire. Vu que j'avais un fusil là, boum bala boum, allez nickel, allez hop, dégagez les petits frags. Je sais pas si VK va pouvoir m'aider beaucoup ici. Par contre, si j'avais le ricochet, ouais, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il y a? La lipette, on lui a donné. Ouais. Bah, faut pas la mettre sur le truc. D'accord. La prochaine fois, là, ok, ok. Oh, aussi. Allez, bouge. Oui, oui. Voilà, c'était vraiment chaud.
prend de l'éther, nickel. On continue. Niveau vraiment compliqué là, ça se complique. Ah ouais, faut que je fasse attention là. Ah, ça peut plus être permis. Mais t'es obligé, il te force à aller au contact. Alors que là, tu pourras éviter. Là, ça va être... ça va être laborieux au début, hein. Prend bien bien cher là. Oh les coins, les coins, les coins. Ça craint. Alors autant les autres niveaux je maîtrisais, mais alors là, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut avoir téléportation, régénération? Alors ce bonus là il m'intéresse pas du tout. Je maintiens la vie pour le moment. Ah, les balles ricochées vont m'aider. Voilà. Ça, c'est déjà le plus grand bonus. C'est ça que je vous l'ai dit depuis le départ. Hein, les balles ricochées, quand tu peux l'avoir dans tous les jeux. Hein. C'est rare quand ça te... C'est contre-temps. Du coup, t'as aucune balle perdue. Hein. Ça va forcément quelque part. On voit que j'ai repris un peu le dessus. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là? Du coup on va prendre... Hop. Fallait que je sorte. J'avais pas le choix. Oula. Oh, c'est des gros là. Je pense que c'est comme arme, mais... Putain, c'est du lourd.
Ah, c'est dommage, j'avais une bonne arme pour une fois. Mais qu'après. La pompe. Allez, on y va, on continue. Alors, si je parle pas beaucoup, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis concentré. C'est vraiment vraiment chaud là. Oh merde. Je suis dans un lieu où il fallait pas. J'avais pas vu. Il y a un bouclier là. Ça va me sauver un peu la mise. Ouais, impeccable, niveau terminé. J'ai senti qu'à un moment c'était bien chaud, vous m'avez pas entendu parler parce que j'étais vraiment concentré. Mais j'ai senti à un moment que le. J'allais pas pouvoir terminer le niveau. Bizarre. Hein. Ah ouais, non. Fallait pas me laisser sans armes. Putain, je fais. Ah! Alors. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Téléportation. Téléportation explosive est pas mal non plus. Franchement, il y a des bons boosts. Ah ouais, il y a des monstres bleus là, il y en a là. Alors. J'en étais en radioactif. On n'oublie pas qu'on a des balles rebond. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tir rapide, très intéressant. Ah bah ouais, mais non, pas dans un petit coin. Non, bah ça fait mal de se faire prendre comme ça. Hein. Allez, c'est bon, j'ai analysé un peu le niveau, on va voir ce que ça va donner. Ce genre de. Oula, 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 oula.
calmer, oui. De plus de charge de compétences. Toi j'aime bien fusil à pompe. Nickel. Ça s'attaque direct. Et plus de dégâts. Impeccable. Pour avoir du boost. Alors déjà quand c'est toi qui peux avancer vers l'ennemi, c'est toujours bon. Ça, voilà, par rapport à tout à l'heure, on le voit, hein, niveau maîtrisé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Ouh là là, attention. J'ai du mal à m'approcher, là on le voit direct. Hein. Là j'ai vraiment la maîtrise du truc. Enfin, la maîtrise du game là. Y a pas à dire. Et là l'arme que j'ai fait vraiment vraiment de dégâts quoi. Au début tu les crains les gros là, et une fois que t'as pris les bons bonus ça va. Voilà, oula, ah, c'est pas drôle là par contre. J'ai pas vu ça, ah niveau terminé dommage, j'aurais bien voulu les affronter quand même, jusqu'au bout. Allez on continue. Ça pue ça. Seul avec son petit. Ah ouais. Là, j'aimerais bien avoir une vraie arme. Oh, c'est chaud là.
compliqué. Si j'ai pas plus de boost. Ah, nickel. On va peut-être voir un truc téléportation. Ah, tir rapide. Le 12, j'ai pas vu ça. Ah ça j'avais pas vu ça. Ah oui là non, si j'ai pas de bonus, je vais crever direct. Qu'est-ce que je peux avoir? Ouais voilà, ça c'est intéressant. Pour tous ces butés là. Non, là c'est pas intéressant par contre. C'était pas intéressant. Waouh. Vraiment résistant là. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus résistant que les autres. C'est une idée que je me fais. On va peut-être prendre autre chose. Ça, ça fait du bien. Là je maîtrise rien pour le moment, je subis plus qu'autre chose. Si j'ai pas de boost ça va être compliqué. J'essaye de minimiser les risques. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça c'est bien ça. Ouais, j'ai terminé le niveau. Je pensais pas du tout que j'allais le terminer. Allez, on passe dans la forêt, on va voir ce que ça donne. Là, la ricochet, si ça va me servir à quelque chose. Je vais pas l'empoisonner maintenant. Ouais, c'est chaud là. En fait tout est chaud. Okay, je les emmène archi loin, j'ai pas le choix. Le méca n'est pas toujours bien. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Hop. Ah bah si, tiens, justement, on en parlait. On va voir ce que ça donne, les ricochets, là. Dans cet environnement-là. J'ai même pas vu celui-là.
sont magnifiques. Ça fait de partout là. Après les bons trucs, hein. On voit direct. L'ennemi n'a plus de dessus sur toi. Là, tu les rappelles direct. Boum, là, wow. Ça tient n'importe quoi. C'est bon justement. Bon, niveau terminé, impeccable. On continue. C'est vraiment intéressant. Bâton Tesla, fait apparaître un bâton Tesla expérimental aux propriétés. Ok. On verra ça. 14. Donc là on a les monstres comme je vous disais, il y en a encore à voir. Pour l'instant j'ai pas de quête. Et on continue. Donc on est toujours dans ce cinquième épisode de Tesla vs Socrate. Un épisode un peu long. Et bon, faut bien avancer sur le jeu. Là, j'ai failli rentrer dans un cul-de-sac. Par contre, c'est pas drôle là, y'a pas une autre arme. Pas mal le bâton Tesla. Je suis en train de me faire défoncer là. Il y a une arme là. Ah mais non, là j'ai mal commencé là. On va essayer de trouver le bon pétard. Ah, je me suis fait un fracasse direct là. Alors, c'est chaud là. Ah voilà, je vais défoncer direct, je l'ai vu. Je pense que ce niveau-là va être bien hardcore à passer.
Toi, j'ai déjà plus de vie. Celle-là. Tac, celle-là. Alors... Ouf, je vais pas le seul. Hop. Impeccable. Ça me permet d'avoir un petit coup de boost vite fait là. Alors qu'est-ce qu'on va toucher là? Il me reste très peu de vie. Je sais pas si je vais pouvoir terminer le niveau. Oula. Dommage ça. Ah bah non. Bon voilà, je vous laisse pour l'épisode 5 de Tesla versus Lovecraft. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 6. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.